avec Instant Culture avec Thierry Chéneau. Il est 6h55. Je suis sur le quai de la gare de Nevers. Je viens de quitter les studios d'RCF Nièvre pour récupérer un micro et un bloc-notes que j'avais oublié la veille. Levé depuis 5h30, je m'apprête à monter dans l'intercité direction Paris-Bercy. Il fait froid et noir à cette heure. Contrôle de billets, un peu de lecture, 2-3 livres à dévorer, le temps passe si vite. Il est 8h55, j'aperçois de la fenêtre du wagon numéro 5 Paris et ses monuments. Ça y est, j'y suis, je descends. Je remercie un passager au passage de m'avoir tenu la porte et je vais boire un chocolat bien chaud au café de la gare avant de rejoindre mon invité d'aujourd'hui. Hé, taxi ! Oui ? Vous allez où, monsieur ? Dans le 3e arrondissement, s'il vous plaît. Ok, montez ! Quel suspense, n'est-ce pas, ami d'RCF ? J'adore, ami d'RCF, bonjour ! Comment allez-vous ? Je vous imagine là, installé, au coin du feu, prêt à recevoir dans votre salon mon invité de ce soir. Elle est née dans un train. Eh oui, elle est née dans un train, arrêtée en gare de Lyon-Brotteau. C'est une actrice, vous vous souviendrez de « Et la tendresse, bordel !» Réalisatrice, comédienne, peintre, animatrice, auteure de plusieurs livres à succès. Une artiste complète qui rêve de remonter sur les planches d'ailleurs. Comme elle le dit, quand on est comédien, on l'est pour la vie. Ce que je confirme. Une fidèle d'RCF Nièvre et d'Instant Culture, puisque je l'ai déjà reçue il y a quelques mois au micro de cette émission. Evelyne Dresse, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, une naissance dans un train, une vie complètement atypique et une, comme vous le dites si bien, comédienne pour la vie, alors que vous vous êtes lancée dans l'écriture. Oui, pas seulement dans l'écriture. J'ai eu plusieurs étapes dans ma vie artistique. Mais vous savez, pour moi, j'ai l'impression de faire toujours la même chose. C'est pour les autres que ça paraît être différent, éclectique, pour ne pas dire velléitaire, voyez. Mais en vérité, je ne suis pas velléitaire. Je fais véritablement les choses, je vais au bout. Au bout des choses. Au bout de votre passion. Quand j'ai décidé de les faire. Mais encore une fois, pour moi, il n'y a que le support qui change. Alors, quand je suis comédienne, évidemment, là, je suis l'objet de quelqu'un d'autre. Je suis manipulée. Ce n'est pas mon total désir qui est moteur. Manipulé par la mise en scène, oui, par le désir, le désir d'un réalisateur ou d'un metteur en scène, désir du public aussi, bien sûr. Tandis que lorsque je suis dans la création, je suis mon propre moteur, je prends ma vie en main et je fais les choses que j'ai envie de faire. Mais que ce soit dans la peinture, que ce soit en réalisant un film, et plusieurs même, en mettant en scène, ou en écrivant, c'est une autre manière de m'exprimer. Mais en fait, j'ai l'impression de toujours faire la même chose. Il n'y a que le support qui change. Alors Evelyne, on parle d'écriture. Evelyne qui a comme toujours une actualité très riche et chargée en la matière, puisque plusieurs sorties littéraires sont prévues. Je cite déjà un récit d'anecdotes intitulé « Mes chats » aux éditions Glyph, et puis une création, le début des aventures d'une petite Luna, illustré par Maurice Autoun, dont vous nous direz quelques mots tout à l'heure, aux éditions Jeunesse, collection Cracaboum. Et puis une autobiographie qui devait sortir au printemps dernier, mais qui, par bien évidemment tous les aléas sanitaires que nous avons connus, ne sortira qu'en 2021, dont le titre est
Le Dauphiné dans la collection Pour l'amour. Alors, je vous propose avant toute chose, ma chère Evelyne, avant de poursuivre dans cette découverte de vos nouveautés, de la littérature d'Evelyne Dress, de commencer en chanson. Et au menu de cet instant culture, je vous propose des tubes de Michael Jackson, parce que Evelyne est une fan de Michael Jackson. Oui, c'est vrai. J'ai dansé étant adolescente sur les tubes de Michael Jackson et je me souviens tout à fait même d'un été à Autrente au Club Med et c'était très gai. History de Michael Jackson. Instant culture en voyage à la capitale, Paris, entouré de peintures, de meubles chargés d'histoire dans un cadre chaleureux, chez Evelyne Dress. Evelyne Dress qui a la plume inventive et qui, me semble-t-il, glisse sur la feuille blanche avec virtuosité.
Merci, Thierry. Non, non, c'est un compliment sincère. J'espère. Je vais vous dire, je m'étonne moi-même, quelquefois. Et parce que c'est en faisant les choses qu'on se découvre, en fait. Et au départ, je n'avais pas de prédisposition particulière pour l'écriture, sinon que, oui, j'étais forte en rédaction. Oui, j'écrivais bien les lettres. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, comme j'avais des grands-parents hongrois, grands-parents maternels hongrois, que ma grand-mère ne savait pas bien écrire le français, j'écrivais ces lettres. Et j'ai toujours entendu dire « Oh là là, ce que tu écris bien, les lettres, tout ça !» Et donc, j'étais l'écrivain public de la famille. Bon, mais cela ne fait pas une romancière. Et il a fallu, finalement, que je subisse quelques aléas du métier de comédienne et aussi quelques aléas amoureux pour que tout à coup j'ai eu envie de prendre la plume et de me libérer de ce que j'avais sur le cœur. Voilà. De vous recentrer sur vous-même, oui, un peu. Tout à fait. Ouais. Mais ça, j'ai toujours été une femme seule, aimant la solitude. La solitude de l'écrivain. Oui, la solitude qui est devenue la solitude de l'écrivain. Mmh. Mais il fallait déjà aimer la solitude avant. Mmh. Je crois que... alors, j'ai eu un passage, évidemment, grisant de comédienne... d'animatrice... Festival de Cannes, oui. Etc. etc. Ensuite, animatrice à la télé et à la radio, en même temps, entrée sans frapper. Et donc, d'avoir évidemment, comme ça, beaucoup de gens autour de moi. Au fond, j'étais restée la petite fille qui aimait qu'on la laisse seule à petit chais après que la famille ait passé ses vacances dans la maison de famille. Et je rêvais que d'une chose, c'était de rester là, dans ce village, et seule. Bien sûr, ce qui n'a pas été le cas, puisque mes parents ne m'auraient jamais laissée toute seule dans une grande maison. Oui. Donc moi également, je suis rentrée sans frapper tout à l'heure chez vous, mais j'ai sonné quand même. Pour vous rencontrer, Evelyne, vous avez une actualité littéraire impressionnante. Vous venez de sortir aux éditions Glyph votre 6e ouvrage, si je ne me trompe pas, un récit sur les chats, mes chats. C'est pas un récit sur mes chats, hein. C'est mes chats, et à travers mes chats, c'est plutôt des confidences que je fais, ce qui est la première fois, parce que dans mes autres romans, où j'emmène toujours l'électrice et les lecteurs dans des voyages, puisque je suis plutôt un écrivain voyageur, mais je me cache, même si c'est toujours moi que je raconte en fait, parce que je suis un écrivain voyageur, mais lorsque je décide d'un roman, j'écris un synopsis, ça tient en 5-6 pages, je connais le début et la fin de mon histoire. Entre-temps, je ne sais pas ce qui se passe, donc je me mets dans la peau de mes héroïnes et je vais vivre leur vie dans le pays que je leur ai choisi. Alors bien sûr, tout ce qui leur arrive, je le vis moi-même et ce que je vis, je leur... Vous le traduisez par l'écriture. Et je le donne à mes héroïnes. Donc, elle et moi, nous nous confondons. Tandis que là, dans mes chats, pour la première fois, c'est moi qui apparaît. Quand je dis « je », c'est vraiment moi qui suis derrière l'histoire. Ce sont mes sentiments, mes rencontres félines. Oui, c'est vrai. J'allais dire une amoureuse de la race féline. Oui, ça c'est vrai. Je décris 7 chats avec lesquels j'ai eu une histoire. 7 vies. 7 vies. Oui, et en même temps, je lâche des choses personnelles, quoi. Alors, ce livre est préfacé par Laetitia Barlerin, qui est vétérinaire de l'émission La vie secrète des chats sur TF1. Oui, tout à fait. C'est mon éditeur, Eric Martini, les éditions Glyph, qui a eu l'idée de lui envoyer le texte et en lui proposant de faire une préface si elle en avait envie.
Et bah, faut croire qu'elle en a eu envie, puisqu'elle l'a faite. Et je l'en remercie beaucoup, parce que sa préface est très jolie. Ah, vous dites, je cite, « Le meilleur ami du chat, c'est l'écrivain, on le sait. » Oui. Ben oui, vous savez, Colette avait un chat, oui. Céline avait un chat, beaucoup, beaucoup d'auteurs se sont fait accompagner par des chats. Et d'ailleurs, je raconte dans ce roman, dans ce nouveau livre, qui n'est pas un roman, mais donc un récit, pardon, la manière dont ce que j'ai ressenti quand un chat est venu s'installer chez moi et qu'il se tenait derrière moi alors que j'étais devant mon ordinateur. Et c'est une sensation absolument extraordinaire. Et c'est sûr que le chat et l'écrivain vont très bien ensemble. Alors, ce sont des êtres silencieux, mais malicieux également, et surprenants même, les chats. Oui, je raconte donc cette histoire de chat. Et chaque chat a sa personnalité. Et ils ne sont pas toujours sympas. Hein. Non, ils sont assez agressifs entre eux, d'ailleurs, quelquefois. Oui, hein. Mais même, ils sont jaloux. Ils peuvent vous en vouloir si vous avez... si vous les avez trahis avec un homme en particulier. Donc, ils ont vraiment des personnalités formidables. Ils sont très humains, en fait. Miaou. 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 Alors, moi, j'invite les auditeurs d'RCF à regarder l'émission de TF1 de Laetitia Barlerin. Moi, j'ai déjà regardé cette émission. Et c'est impressionnant, la curiosité du chat. C'est impressionnant. On ne s'attend pas à leurs escapades nocturnes. On ne s'attend pas à leurs bêtises. Ben, encore une fois, ils ont des personnalités très fortes. Ils sont très indépendants, même s'ils peuvent être amoureux, mais de leur maître. Ils ont, on ne peut pas dire mieux qu'une vraie personnalité, une intelligence, des sentiments. On trouve toutes les palettes de sentiments chez son chat. De la race humaine, qu'on peut retrouver chez les humains, absolument, d'ailleurs. Absolument. Voilà. Donc, 100 pages qui sont consacrées à vos relations avec la race féline. Donc, j'invite les auditeurs d'RCF à se procurer très, très vite ce nouveau livre, oui, Evelyne. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est un petit livre. Donc, le format ressemble à un format de poche. Oui. Et ça porte bien son nom parce qu'on peut le glisser dans une poche, le lire dans le métro, dans le train, partout. Voilà. Il n'est pas lourd. J'adore la couverture parce qu'il y a un chat dessus. Avec des yeux magnifiques, d'ailleurs. Oui, il est vraiment très, très beau, ce chat. Regard perçant. Et je pense que ça peut être aussi un très joli cadeau à faire. Tout à fait, au moment des fêtes de fin d'année. Et on approche de Noël, d'ailleurs. En plus. Voilà. Alors, outre les chats,
Ma chère Evelyne, vous vous lancez dans une nouvelle aventure puisque vous venez de créer le personnage de Luna aux éditions Jeunesse Collection Krakaboom. Oui. Déjà deux albums sortis et puis bientôt un troisième, l'aventure d'une petite fille. Là, vous essayez d'aborder un public beaucoup plus jeune. Oui, ça s'adresse à des enfants de 3 à 7 ans. Et je dois vous dire que je n'aurais jamais eu l'idée moi-même d'écrire des albums jeunesse. Ça ne m'avait jamais traversé. Et puis, c'est un éditeur que je rencontre souvent dans des salons du livre qui m'a approchée et m'a demandé si ça ne me plairait pas d'écrire pour la jeunesse. Oui, pourquoi pas. Un nouveau défi. Et donc, j'ai écrit comme ça deux histoires. D'abord, j'ai inventé cette petite fille qui s'appelle Luna. Parlez-nous un petit peu de Luna. Elle a l'air à croquer. Hein. Oui, oui, je l'adore. J'ai beaucoup travaillé avec Maurice Antounès, qui est l'illustrateur, pour arriver au personnage que j'avais dans la tête. Et je dois dire que Maurice a été d'une gentillesse, d'une docilité, d'une écoute formidable, et il a reproduit exactement le personnage que j'avais dans ma tête. Et donc cette petite fille est absolument à croquer, elle fait des bêtises, et bien sûr, à cet âge-là... Est-ce qu'elle vous ressemble un peu, cette petite fille ? Alors, est-ce qu'elle me ressemble ? Je dirais que sa maman me ressemble un peu physiquement. Hein. Ah, déjà. Mais je ne me souviens pas d'avoir été une petite fille qui faisait des bêtises. J'étais plutôt renfrognée, comme ça. Ah, réservée. Réservée, ouais, oui. Ouais. Et dans ma solitude, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Mais Luna est beaucoup plus effrontée que moi. Et en tout cas, elle est très mignonne et on lui donne le bon Dieu sans confession, quoi. Mais ce qui m'intéresse à travers ce personnage et sa maman, qui a beaucoup d'importance dans sa vie, évidemment, c'est d'aborder de grands sujets. Et par exemple, et de les mettre à la portée des plus petits. Hein. Et dans Luna apprend à faire des crêpes, ce qui m'intéressait, c'était de raconter la chandeleur et d'expliquer ce qu'était la chandeleur. Voilà, quel est le... Le pourquoi du comment, on appelle ça chandeleur, voilà. Et pourquoi ça se fait. C'est une fête. Voilà, c'est une fête, effectivement. Chrétienne. Oui. Donc, oui. C'est ça qui m'intéressait de raconter. Dans Luna et les petits canards, là, c'est une leçon d'humanité, en fait. Donc, je pense que c'est aussi très important pour les enfants d'apprendre à vivre ensemble et à s'ouvrir aux autres. Le prochain. Oui, le troisième qui va sortir en février. Ouais. Fin février, c'est pour la fête de Pourim. Ça s'appelle Luna et les oreilles d'Aman. Et là, c'est plutôt une fête juive que j'aborde. Et puis après, il y aura un autre volet où il y aura la fête de l'Aïd dans un autre album. Voilà. Alors, Luna et les petits canards. Luna apprend à faire des crêpes. Quel âge a-t-elle, Luna? Elle a à peu près... 4 ans. 4 ans, hein, voilà. Et pourquoi ce prénom de Luna? Ça veut dire lune, ça, non? Oui. C'est joli, non? Oui, c'est Luna. Magnifique. Mais c'est-à-dire que, vous savez, il a fallu y réfléchir parce qu'il existe déjà beaucoup, beaucoup de livres pour enfants. Et il y a déjà beaucoup d'héroïnes. Et donc, il en fallait une qui ait un prénom libre. Et donc, je suis tombée sur Luna. Et ça me plaît beaucoup. Nous poursuivons cette émission Instant Culture avec Beat It de Michael Jackson.
Culture, spiritualité, vie courante, la joie se partage sur l'antenne d'RCF Nièvre et bien sûr dans cette émission Instant Culture. Vous pouvez retrouver toutes les émissions Instant Culture sur le www.rcf.fr en podcast et sur notre appli smartphone que je balade partout, oui, puisque je l'ai là à cet instant avec moi sur mon téléphone portable. Evelyne Dress, mon invitée d'aujourd'hui. Evelyne, je vais lire à nos amis l'extrait d'un prochain ouvrage dont la parution était prévue au printemps dernier, mais celle-ci a été retardée par les conditions que l'on connaît, donc les problèmes liés au Covid-19. Il sort donc au printemps 2021. C'est une autobiographie. Donc en touriste. En touriste en plus, hein, voilà. Oui, c'est-à-dire que je parle d'une région que je connais bien, puisque vous savez que j'ai écrit La Maison de Petit Chef. Tout à fait. Qui racontait mes histoires, enfin au départ, qui partait au départ d'une anecdote vraie, véritable, qui est que lorsque j'avais 5 ans, j'étais amoureuse du jeune homme du bout du chemin qui lui en avait 17 et qui évidemment ne me regardait pas. Et j'ai, à partir de cette passion que j'avais, j'ai brodé une histoire de sœur amoureuse du même jeune homme. Et c'était une histoire qui se racontait d'été en été dans la maison de vacances. Et donc voilà, avec deux sœurs, Alma et Jessica. Vous remarquerez que mes héroïnes ont toujours un prénom qui se termine en oui, A. Oui, voilà. Oui. Peut-être en hommage à mes tantes décédées aujourd'hui. L'une s'appelait Léa, l'autre s'appelait Anna. Donc les prénoms en A sonnent à vos oreilles, oui, vous rappellent des souvenirs. Absolument. Ouais. Et donc dans la maison de Petit Chef, je partais d'une histoire vraie, mais très vite je m'en échappais et je racontais cette histoire donc de deux sœurs, qui heureusement ne m'est pas arrivée, parce que ça aurait été un drame épouvantable pour moi. Mais en tout cas, quelques années plus tard, je suis retournée à Petit Chef pour voir si c'était aussi beau que dans mon souvenir. Voilà. Et là, à ce moment-là, il est arrivé quelque chose de vrai. Et c'est justement dans ce roman, Pour l'amour du Dauphiné, que je raconte cette anecdote. Alors je vous cite, on ne guérit jamais de son enfance, jamais de son histoire familiale, jamais de son premier amour. Je lécherai toujours les roux doudous de mes 5 ans. On est de son enfance comme on est d'un pays. Je suis un peu du boulevard des Filles du Calvaire à Paris, mais beaucoup de la route Napoléon. Je sens comme de la nostalgie dans ce passage. Oui, bien sûr. Mon cœur est resté à Petit Chef. Et j'ai la nostalgie des paysages de mon enfance. Car pour ceux qui connaissent la route Napoléon, oui, cette route qui part de Grenoble et qui descend jusqu'à Juan-les-Pins, c'est une route qu'on faisait autrefois, hein, parce qu'il n'y avait pas l'autoroute. Donc les gens connaissent bien ce passage à travers les Alpes. Et c'est une région magnifique, mais d'une beauté inimaginable. Idyllique. Oui, complètement. Et donc oui, bien sûr, j'ai la nostalgie de ces paysages. Et puis je me dis que probablement mon goût s'est formé là. Parce que ouvrir ses yeux tous les matins sur la montagne qui s'appelait le Grand Cerf et qui s'appelle toujours le Grand Cerf, avec au pied un lac merveilleux, forcément, ça vous donne le goût du beau. Donc, Le Dauphiné, collection Pour l'amour 2, édition Magellan et compagnie. Donc, une prochaine sortie, une sortie au printemps 2021 de cette autobiographie en touriste. Et puis, je disais tout à l'heure que Evelyne aimerait bien fouler les planches comme elle l'a fait il y a quelques années. Et vous disiez que quand on est comédien, on le reste toute sa vie. Ben oui, forcément. On ne choisit pas ce métier
par hasard. Alors, certains, oui, c'est-à-dire qu'on vous raconte toujours l'histoire de Béatrice Dalle, découverte par Dominique Besnéard dans un café, ou enfin bon, des histoires de ce genre-là, évidemment, il y en a. Mais quand on a décidé, comme moi, de faire ce métier, c'est-à-dire en faisant le conservatoire, c'est sans doute pas par hasard. C'est qu'on a des manques à combler, c'est qu'on a un besoin d'amour incommensurable. Et alors, tout ça, on le découvre avec l'âge venant, tout est faux. L'amour, c'est un amour qui tient le temps que vous êtes là. Et puis, les gens sont oublieux. Maintenant, je sais que cet amour dont j'avais besoin et que je continue à avoir besoin n'est pas forcément comblé par, Le public. Le public, voilà. Ouais. Mais en tout cas, j'ai encore envie de vivre l'émotion que donne le plateau, que donne... l'interprétation. Alors, je ne sais pas si je reviendrai en tant que comédienne ou en tant que chanteuse, parce que ça même chanteuse. Oui, oui, ça m'amuserait beaucoup de revenir en chanson. Et, bon, la vie est devant moi. Quand oui, même. Oui, vous avez encore beaucoup de longues années pour mettre en route tous ces projets. Mon grand-père était persuadé que on pouvait vivre jusqu'à 120 ans, donc vous voyez, votre grand-père avait raison. L'organisme est fait pour ce genre de choses. Voilà. Donc, je reviendrai peut-être en chanson, peut-être au théâtre. Et en tout cas, j'ai aussi un film à réaliser. Justement, je vous parlais de La maison de Petit Chêne, oui. Qui est donc un roman qui a très, très bien marché. Et je l'ai adapté, tout comme j'avais fait Pas d'amour sans amour, le film que j'ai réalisé et qui est également un roman. C'était un film avec Patrick Chenet, Gérard Darmon, Martin Lamotte, Michel Duchaussois, Jean-Luc Bidault, Aurore Clément, Dora Dolle. J'y jouais le rôle principal. De grands noms. Oui. Et donc, voilà, je voudrais bien mettre en image La maison de Petit Jet. Pour moi, ce serait, comme dirait Boris Vian, faire mon œuvre complète, c'est-à-dire mettre en image ce que j'avais dans la tête au moment d'écrire le roman. Et donner vie à mes personnages. Alors, Evelyne, je vous ai demandé, pour conclure cette émission, de me faire une proposition d'une citation qui semblait être votre état d'âme d'aujourd'hui et peut-être même de toujours. Et vous m'avez sorti une citation qui est la suivante: « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Oui. Ben ça doit résonner à beaucoup d'oreilles. Ça me parle. Ça vous parle. Et alors, voilà la raison pour laquelle je voulais vous citer ce qu'on attribue à Jésus. Parce qu'en fait, Jésus était rabbin et il connaissait parfaitement les Écritures, l'Ancien Testament et toutes les synagogues du monde portent au fronton cette phrase qui n'est pas de Jésus, mais de Moïse: tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une phrase qui peut entraîner beaucoup de pensées philosophiques en ce moment d'ailleurs. Tout à fait, elles sont même nécessaires. Nécessaires. Ouais. Donc, amis d'RCF, je vous invite à très vite compléter votre bibliothèque ou votre médiathèque, comme vous le souhaitez, des toutes dernières nouveautés de notre amie Evelyne Dress. Mécha aux éditions Glyph, ou un ouvrage préfacé par Laetitia Barlerin, vétérinaire de l'émission de TF1 « La vie secrète des chats ». Les aventures de Luna, deux albums jeunesse illustrés par Maurice Autouns, collection Cracaboum, premier titre Luna et les petits canards. Février 2021. Et pour le printemps prochain, une autobiographie en touriste. Pour l'amour du Dauphiné, aux éditions Magellan et compagnie.
Donc Evelyne, nous concluons cet entretien pour cette émission Instant Culture à votre domicile parisien, à Paris même d'ailleurs. Aujourd'hui, il fait un beau soleil à l'extérieur. Vous avez un sourire aussi rayonnant que le soleil. Vous illuminez d'ailleurs Paris. Donc je vous souhaite et nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, beaucoup de succès pour les prochains mois, pour la sortie de toutes ces nouvelles aventures. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis d'Instant Culture ? Écoutez, j'espère revenir très très vite à votre micro, Thierry. Et de toute façon, venir en dédicace dans la Nièvre. Eh bien, apparemment, vous devriez venir, chère Evelyne, le 13 décembre prochain à Varennes-Vauzelles, à la salle Gérard Philippe. Oui, je m'en réjouis. À l'invitation donc de Michel Benoît, ouais, qui est un ami, écrivain de talent, évidemment, que tout le monde connaît sans doute dans la région. Et, qui est un fidèle également du micro de l'émission Instant Culture. Oui. Mais c'est vous qui êtes un fidèle, hein, Thierry. Merci. Merci, merci beaucoup. Chers amis d'RCF, à très bientôt sur notre antenne et surtout, comme je le dis toujours, n'oubliez pas de sourire.